J'espère que c'est possible. Oh les gars, on va jouer contre Lyon. Est-ce qu'il y a des Lyonnais ici là? Est-ce qu'il y a des Lyonnais par ici dans le tchatch? Est-ce qu'il y a des Lyonnais? À chaque fois que j'affronte Lyon, on sait très bien qui me parle en message. On sait très bien. Voilà, il est là. Il est là, il est content. Bonjour Léandro. On vient d'arriver à l'hôtel avec les joueurs. Nous avons un peu de temps devant nous avant le match. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Voudrais-tu te rejoindre à nous, histoire de faire connaissance avec les joueurs de Lyon? Mais pourquoi je ferais ça, frère? Bisous, Dinero. En fait, lui, il pense trop, je suis un joueur de Lyon. Je sais pas ce qu'il me veut, frère. Il pense trop, je suis un joueur de Lyon, Olas. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte l'invitation ou pas? Il veut trop me signer depuis que je suis arrivé en Ligue 1, wesh. Attendez, les gars. Attends. Est-ce qu'on y va? Sachez que si on y va et qu'on se fait cramer par des gens au restaurant avec des joueurs de Lyon, on peut se faire siffler, hein! Attention! Attention, ça c'est un risque ça aussi, hein. On peut grave se faire siffler, wesh. Vous avez pas honte, les gars? Oh le. Oh là 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 là! Oh là là, le tifo il est magnifique! Oh le tifo il est magnifique! Ça va être un gros match! Ça va être un gros match contre Lyon, je sens. Ça va être vraiment un gros match. Avec mon tifo, en plus là, ils m'ont motivé là. C'est parti pour affronter les Lyonnais. Est-ce qu'il y a des Lyonnais dans le live, les gars, là? Ils sont où les Lyonnais? Où sont les Lyonnais? Allez, Gennaro. Et oui, monsieur. Gennaro, future légende. Allez, c'est parti. En plus, la dernière fois, je me suis fait siffler à Lyon. En fait, de base, Lyon, je suis rentré sur le terrain, ils ont chanté la musique de Gennaro pour me motiver à signer là-bas. Après, j'ai marqué, je suis parti fêter le but devant les supporters de Lyon. Et ils ont pris ça comme une provocation, ils m'ont sifflé. Et là, maintenant, ils veulent que je mange au resto avec eux. C'est de ouf. Aucun amour-propre. Tout pour signer Gennaro. Une solution là. Wesh! Ça joue, hein. Magnifique l'intervention. Superbe réflexe dans les Ah, toi, buts. c'est Saint-Etienne, toi? Ok. Saint-Etienne, normalement, on les affronte juste après Lyon, là. On va voir c'est qui les plus nuls entre Saint-Etienne et Lyon. Ça, c'est un 12-0. Ça, là, ce match? Je sais pas. Ils ont l'air d'avoir bien commencé. Et ils ont Camavinga, hein. Ouais, bien tiré ce corner. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh, le tacle et le Tu m'as vu à la limite du hors-jeu, merci. Un peu trop forte. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Allez, faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Et le Barria. Elle la voilà la frappe. Belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Oh là là, des beaux milieux de terrain. Ah, je suis hors jeu. Oh, elle était belle. Dommage, je suis hors jeu. Lyon, c'est pas Marseille. Ouais, c'est pas Marseille. C'est plus difficile contre Lyon. Après, Marseille, on va galérer au match retour, je pense. Hein. Ce sera au Vélodrome là. Orange Vélodrome. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain. Cherche la faille dans la défense adverse. Il est bien placé, il peut se rentrer. Allez, allez, voilà. Voilà. Voilà, dans les pieds, dans les pieds. Tac, toi tu pars. Tu me la rends, voilà. Mbappé. C'est bien donné dans l'espace. Oh, le perso! Oh le perso il reprend une PES. Oh l'arrêt que c'est propre. Ça s'agite un petit peu dans les tribunes. C'est une occasion. Ah, il est bien parti ce corner. Ih, la tête de Kylian. Tu m'as vu? C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Oh là là, mais quel jeu! Ça joue bien depuis qu'on a recruté du lourd au milieu de terrain. Dans le mitard.
Ils attendent une ouverture dans la défense. Putain, il souffre. Vas-y, Junior, je reviens après peut-être. Vas-y, mon gars. Passe une bonne soirée. C'est assez flagrant, vitesse réelle. Au moins, on en est sûr. J'ai sommeil. Ah, t'as déjà sommeil. Putain, quel week-end. C'est quel genre de week-end que tu passes là? Essayez de repousser par la défense lyonnaise. Ils sont en train de souffrir, les Lyonnais, je sens. Je suis là. Putain, Valverde, on se comprend, toi et moi, normalement. En vrai, il a bien fait de revenir au PSG, Valverde, puisque à Munich, là, quand j'étais là-bas avec lui, il l'utilisait en mode défenseur central. C'est vraiment pas trop football, là. Là, on dirait au PSG, il n'y a pas trop de bugs sur les postes. Ils mettent vraiment les joueurs à leur poste. Pas comme au PSG, là. Pas comme, oula, pas comme au Bayern et au Barça. Merci, gardien. Qui est en train d'imposer son jeu depuis environ un quart d'heure. Le chant des ultras là, il est satisfaisant, ça me motive à marquer là. En tout cas, il s'y prend de la bonne manière pour y parvenir. T'es par jeu, t'es par jeu. Allez, c'est donné par-dessus. La bonne claquette du gardien pour dévier ce ballon. Ok, les supporters qui se manifestent. Ils ont compris que c'était peut-être l'occasion. Bonsoir, Julien. Bonsoir, mon Gabien, quoi. Tu te souviens quand ils ont mis Donnarumma défenseur? J'avoue, ils ont fait ça, j'avoue. J'avoue, mais après une seule fois. C'est qu'on était. On était en manque de. En fait, ils avaient vendu Hakimi. Ils avaient personne d'autre à mettre en arrière droit. Après, ils ont recru... le temps qu'on recrute Tavares. Du coup, Donnarumma, c'était l'arrière droit, quoi. Je suis hors jeu. Pouh ! À la limite du hors jeu. Les Undra du Lero. Ça c'est le talent, les gars. Et ça c'est le talent. Là ça montre vraiment qu'on se comprend avec mon équipe. À la limite du hors-jeu, hein. Regardez bien. Regardez cet appel. Oh là 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 là, c'est beau. C'est le football. Merci bras, merci Philou. Merci pour tous les drapeaux brésiliens. Incroyable. Vraiment le timing là, incroyable. Montpellier, tu vas galérer, ils sont trop chauds. Après, il y a des équipes des fois. C'est des mauvaises équipes, mais quand tu les affrontes, ils sont chiants de ouf. Pouh, dommage. Oh là là, cette frappe. Dommage. Merci pour les drapeaux brésiliens, les gars, vous êtes des bons. Tu m'as vu? Contrôle, frappe. Pouh, la pulga! C'est lui la pulga, les gars! Il remplace Messi, la pulga! Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec la spéciale Gimiro. Toujours à l'affût. Toujours à l'affût, je répète. Les Undro Gimiro. Contrôle, frappe! Magnifique. La spéciale, et oui, monsieur. Allez, Paris. On va le ménager, Gennaro. On va pas jouer tout le match. GG, merci, mon gars. Allez, c'est parti. T'as vu Mbappé? Putain, dommage. Oh, l'appel de Mbappé, il était incroyable. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Et le score leur est favorable. Bien joué, ça, quel jeu! Dommage, Gravenberch. Putain, oh, mais l'équipe qu'on a, les gars, c'est affolant. C'est affolant. J'ai heurté le meilleur. GG, merci, les gars. Pour une deuxième mi-temps.
Il est algérien, Gennaro. Pourquoi il est algérien? Non, il est brésilien. Brésilien, Gennaro. Dommage, à chaque jeu, ils changent pas de maillot. Franchement, ça aurait été bien, hein. T'imagines? Trop réaliste. Chaque saison, de nouveau maillot. Imagine, tu gagnes pas la LDC. Tu sais que l'année passée, c'était pareil, hein. L'année passée, franchement, ça jouait bien, tout ça, etc. On arrive contre le Real, on gagne le match aller en plus. Et match retour, on se fait foudroyer, je comprenais rien du tout. Tu m'as vu. Ouais, mais ouais, je suis Mbappé, oh, trop tard. Bien défendu. Protection du ballon. Il y a des rumeurs qu'on a encore du mal à décoder. Quoi ? Il y aurait des transactions en ce moment. Gennaro sur le départ. C'est un transfert qui ferait du bruit, évidemment. J'ai eu une offre de transfert, je crois. Tout pour en parler, mais ça reste vraiment... Imaginez, c'est Lyon. Imaginez, hein. C'est ouf, eux. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Laissez-moi gagner la Champions League au PSG. Je suis là pour au moins 3 ans là. C'est bon, je me sens bien au PSG. Bon. Les Girondins de Bordeaux en ce moment, on va aller voir ce qui se passe. Oui, il s'agit du premier but en faveur des Girondins de Bordeaux. Ça fait donc un but partout après 56 minutes de jeu. Merci pour ces précieuses informations. Merci ça. On a envie de créer le danger bien sûr côté parisien. La main. Dommage. Mais pourquoi? Putain. J'aime pas quand ils jouent comme ça. On leur donne la balle, ils s'en débarrassent direct. Ils sont en stress ou quoi? Si t'as le choix, Lyon ou Monaco? Si j'ai le choix, ce sera Lyon. Je crois vraiment que je vais retourner à Monaco, un club qui me déteste. Et que je déteste. T'es fou, toi. Enfin, que Gennaro déteste. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Allez, on sort. Ouais, la tête est sans danger. Allez, on va sortir, hein, je pense. Ça sert à rien là, de continuer. Ah, c'est difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Bravo monsieur Gennaro. Quel match. J'ai raté quoi? T'as raté 3 bons matchs de Gennaro. Un doublé, un triplé, un doublé. Magnifique. Victoire 2-0. Je suis vraiment en train de guider le PSG vers le succès là.